My name is Rose Andrea Menti. I'm in my second year of Telecommunication and Informatics Professional Bachelor. This course with GSMA is rich with a lot of resources about digital technology, TIC economy, and mobile with its impact on every country's economy. With this formation, we got a lot of information about every country's development, mobile impact, like we know that 10% of mobile incoming has provided 4.2% mondial GDP. With this formation, I am so motivated. I am ready to create a lot of things for this rural population and its integration on digital technologies. I am very happy to share all of this information with a lot of people, and I want to change this world, especially rural population. We have a lot of projects. We are so inspired with it, and we all say thank you to GSMA and ESMT. Bye. En quoi vous vous sentez pas inclus ou associé? Mais d'accord, on ne peut pas peut-être profiter des services d'une banque, n'est-ce pas, pour s'acheter une voiture. D'accord? Ok, quelqu'un d'autre? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, quand je suis une start-up, si je vais à la banque, ils ne vont pas me faire confiance. Parce que je n'ai pas de garantie. Moi, je développe des applications, des logiciels, et ils ont besoin d'avoir au moins une maison. D'accord, pour l'hypothèque, ils ont besoin peut-être d'avoir ma voiture pour l'hypothèque. Je n'ai pas de voiture, je n'ai que mon appart. Rien que ça, qu'est-ce que je fais? D'accord. On s'est rendu compte effectivement, donc il y en avait qui étaient exclus du système financier. D'accord. Tout simplement parce qu'ils ne prêtaient qu'aux riches. D'accord. On dit qu'en Afrique, c'est la banque des riches. C'est vrai. Et au départ, quand vous avez suivi comment vous devez s'installer en Afrique, précisément dans les pays de la sous-région, pour aller à Ecoba, vous pouvez en compte faire un minimum de 1 million de citoyens. Bonjour, je suis Kiemde Soutonoma Martial Alissé, élève ingénieur de conception des télécommunications à l'École supérieure multinationale des télécommunications de Dakar. Dans le cadre de notre module d'économie de TIC, nous avons eu à étudier l'étude des cas de la politique relative aux communications mobiles du GSMA. D'abord, ce qui m'a impressionné dans ce document, c'est la simplicité dans laquelle ils ont fait les études de cas et aussi les différentes études de cas qu'ils ont eu à étudier dans ce document. Nous voyons déjà que la majeure partie de ces études de cas provient des problèmes réels en Afrique. Et ce qui m'a beaucoup captivé, c'est qu'à partir de ces études de cas, je pourrais utiliser des solutions élaborées et étudiées et mises en compte, étudiées dans ce document pour innover et trouver des solutions aux problèmes auxquels je suis confronté en Afrique, précisément dans mon pays, le Burkina Faso. I'm a student at ESMT. I'm majoring in computer science and telecommunication studies. And I would like to take this opportunity to really thank GSMA and also our teacher, Alan Sawadogo, for giving us this course, this knowledge. It helped us really see how the information and communication technologies have an impact in our GDPs, in creating jobs, not only old jobs, but also new jobs. And it helps the evolution in sectors such as agriculture, breeding, shoemaking, education, and also health. And through that, he raised our knowledge of the opportunities and challenges that we face here in Africa, especially in rural areas. For example, some families don't even own a TV, or some parents forbid their children to watch TV because they think that it has a bad impact on them.
And we have to change that. It's about the mentality. We have to sensibilize the populations so that they can also see the impact, the positive impact that information and telecommunication technologies have in our countries. Très bien, très bien. Quels sont ceux qui sont exclus selon vous, financièrement? Quelles sont les personnes, la population exclue? Qui se sent exclu? C'est quoi votre caractéristique? Pourquoi vous sentez exclu?